Ça qui passe, frère, c'est moi qui j'en ouye. Jeudi à qui c'est dimanche 30 octobre 2016 à 4h07 dans l'après-midi. C'est toujours un plaisir, ça y est, pour moi. L'homme, j'ai une chance de créer une vidéo blog ou bien voice blog, je viens parler avec nous. Et bien, après un bon petit temps, je n'ai pas créé voice blog. Alors, je décide de créer ça, je vais parler avec non pas moi, c'est Emmanuel Joisil depuis New Jersey. Eh bien, je dis, on ne parle pas de politique. Politique, c'est pas politique haïtienne, non. Plus c'est politique américaine, mais qui gagne, qui gagne penchant sur politique haïtienne, tout. Mais 99,9% li concerné politique américaine, précisément, élection qui est pour faire dans. Semaine prochaine qui est pour venir, qui c'est semaine 8 novembre, non? Côté que nous, les Américains, nous avons gagné pour nous prononcer, non? Nous avons gagné pour nous décider sur qui moun qui pour venir président pays. Eh bien, nous-mêmes Haïtiens, nous avons un choix, nous avons pour nous participer dans le choix à tout. Et d'après un article qui sorti dans ma Amiral, que je t'appelais matin, hein, moi que. Communauté haïtienne nan, et en Florida, y est très divisé sous candidats aussi, ou sous communauté a divisé entre support pour Hillary Clinton et support pour Donald Trump. Moi-même, je pense que c'est un jouet. Je pense que c'est un jouet de satire pour haïtien, l'homme de haïtien à supporter Donald Trump. Bon, c'est droit que tout le monde gagne dans la démocratie. Hein. C'est droit que tout le monde gagne pour supporter candidat qui reflète position politique, position philosophique et position idéologique payo et me respecter ça. Mais cependant, moi-même en tant que citoyen américain et en pile monde pour poser une question pour qui raison moi supporter Hillary Clinton parce que c'est bon secret ça y est et moi-même moi très vocal en ce qui a trait à position politique moi en ce qui a trait à support pour Hillary Clinton, c'est pour bagarre que me cacher dit, c'est pour prendre position gros position pour Mrs. Clinton. Eh bien, en plus, moi, poser une question ça, qui raison qui fait que moi, la game dans la campagne, la ria comme ça, me camper derrière la comme ça, est-ce que j'ai un job pour moi, est-ce que si la ria t'a pas si t'a vini président? Non, pas gain job, il a pas un job pour moi, il a pas offrir un job si t'a vini président. Seulement, c'est un citoyen américain, me concerné en ce qui a trait à futur pays, à qui côté pays à praler dans les 4 prochaines années et même dans les 20 prochaines années. Parce que décision pour le point de mardi à la, mardi qui est pour venir, mardi 8 novembre, il a un gros impact sur le pays, non seulement pour 4 ans qui viennent là, mais pour 20, 25, 50 ans qui est pour venir après. Cela veut dire que c'est pour un bagage que nous avons joué avec. Et bien, raison qui explique pour raison qui explique support pour Hillary Clinton, nous prenons 8 raisons fondamentales, 8 points. Qui expliquait, qui a justifié raison, qui fait que moi supporter Hillary Clinton pour devenir président pays après que mandat président Obama souffle pour terminer là. Et pour moi même c'est une très belle question. Si on m'a posé une question ça, c'est une très belle question. Et je pense que tout haïtien américain qui supporte un candidat ou un autre supposé, à moins que haïtien ça lui-même, c'est un haïtien Jacques, répète, lui supposé capable de justifier support pour candidat ça. Mais je pense que c'est un fou qui supportait candidat à la présidence sans aucune justification qui fait sens, qui a expliqué vote ça. M'a voté pour Hillary Clinton pas parce que moi trouvé dans toute position que li prend sous gros dossier qu'a brassé bill pays que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan social. Et position ça yo ou même qui t'a remé connaît ça yo ye, parce que gain près de n'importe 40 à 45 positions que il a reprend sous qui gens les mêmes li compter qui ça compter faire le ou bien s'il devient président pays ou capable aller sous page li qui c'est www.hillaryclinton.com/issues/ ou capable tout gros dossier que lui même il prend position sur yo. Mais particulièrement c'est sur 8 dossiers ça yo que me parler là yo qui convainc moi, c'est 8 dossiers ça yo qui convainc moi qui fait que
moi ouais il a écrit dans ces moun ça pour me supporter pour président pays. Premièrement, on parle de réforme sur immigration. Son gros dossier ça y est. Parce que nous avons 11 millions moun dans pays là qui ça a fait avec yo. 11 millions moun qui sans papier qui illégal dans pays là qui ça fait avec yo. Il a promis pour réformer immigration dans pays ici qui pourrait permettre tout 11 millions moun sa yo qui sans papier dans pays là qui vinn citoyen américain ou bien gagner yon statut légal pour yo cap fonctionner comme ça doit dans pays là. Et en tant qu'haïtien, l'homme qu'on est chargé haïtien qui sans papier qui fait partie de 11 millions ça et qui a fonctionné et qui a donc fonctionné sous TPS au moins qui gagne un petit statut légal, yo ka travail, yo capable voyager. OK, et TPS ça petit statut ça yo gagne dans notre Trump lui-même lui promet pour lui suspendre pour le retirer si toutefois il arrive président. Alors un gros dossier comme ça, m'pas capable pas proposition. Alors m'décider sous dossier ça pour me supporter Hillary Clinton. Donald Trump promet pour déporter tout 11 millions moun sa yo qui sans papier dans pays ya. Alors que Hillary lui-même lui promet pour ba moun sa yo yon chemin pour yo sorti dans cachet pour yo ka légaliser tête yo. Alors mes amis, ou m'en demande deux moun sa yo la qui moun pour me supporter, m'pas ka supporter Donald Trump. Si nous supportons Donald Trump, à moins que la communauté ne me parle pas. Moi-même, ok, moi j'ai des papiers. Oui, ok, moi c'est un citoyen américain. Mais cependant, chargé fraction moi, qui vit dans le pays sans papier. Femme pas être seulement. Et eux-mêmes. Eux-mêmes qui sont aux États-Unis, tant bien que mal, ils ont fait un petit travail sous ce pièce-là. Ils ont fait un petit dégagé. Ils ont fait un petit comme à côté pour peut-être pas eux. Il a supporté femme en Haïti. Alors, m'pas cap supporter Donald Trump qui promet pour déporter moun sa yo. Alors, de ce fait, m'supporte Hillary Clinton en ce qui a trait à réforme sous question immigration ici aux États-Unis. Il a promet en dernier lieu, il a promet pour camper en quoi contre déportation cap séparer parents de petites. Ça va faire sens. Pour déporter parents ou quitter Timoun ici. Alors que Timoun lui-même, en tant que Timoun, il a besoin de présence parents dans la ville. Qui peut permettre de lever et grandir bien. Qui peut permettre que balance psychologique, balance et lui supposer gagner dans la ville lui-même, lui établi. Parents nécessaires dans la vie de Timoun. Ou pas capable de déporter Timoun, ou pas capable de déporter parents pendant qu'on quitte Timoun ici aux États-Unis. Dans notre pays même, il n'a pas fait aucune considération. Il dit 11 millions de monde sans papier qui vivent ici aux États-Unis, l'a déporté. Ça, son gros dossier lié. Je pas capable camper dans le camp dans notre plan, je suis camper dans le camp Hillary. Deuxième élément de justification qui fait que un campé derrière Hillary Clinton pour venir président pays. C'est justice raciale dans pays site aux États-Unis. Son gros dossier bagaille ça. Il a promis pour réformer loi sous sentence dans pays site. Bagaille ça son gros bagaille lié parce que loi prendre black là, loi prendre moun noir avec moun blanc, le al nan côte sentence yo même yo pas même, yo commettre même crime nan oui, mais un moun noir gagne plus chance pour passer plus temps en prison que un moun blanc pour même crime nan. Alors que yo tous les deux ces citoyens américains pour qui ça oblige gagner un système de justice qui pas juste. Alors il arrive même li promet pour réformer loi sous sentence dans pays ici. Li promet pour finir avec bagay qui rele racial profiling là. Qui ça racial profiling là? Eh bien racial profiling là lui-même c'est une réalité que nous qui gagne dans pays ici côté que la police qu'a juste gardé ou sous couleur peau ak jan habillé li arrêté ou pour un crime ou pas même commettre ou pas même connait existence li. Et en pile des fois en pile noir en pile moun noir ouais yo la police fusillé ici aux États-Unis li gen implication à bagay sa ki rele racial profiling. Alors il a écrit dans lui-même il décide font bagay il adresser dossier ça
li décider mettons fin à bagay ça li promet encore pour le travail pour que la police avec communauté que yo là pour yo servir et protéger yo capable de bonne relation entre yo. En plus de ça, en plus de tout bagay ça yo, il a promet lui-même pour le mettre yon frein dans épidémie ça qui relé gun violence en créole yo relé ça violence à zam ka fin avec société pays États-Unis a fait zam moun capable aller n'importe dans n'importe gun show dans n'importe côté y a exposé zam ou ka acheter zam sans ou pas faire background check comme si ou acheter zam ou aller dans grocery store ou aller dans market ou acheter manger pour manger li pas ka fait comme ça et ça fait pile moun gen zam nan men yo la police pas gagner donné sou yo et ça fait dans pile moun a mourir dans pays ya à cause de irresponsabilité ça qui gagner dans société américaine nan, il arrive pas camp en quoi il arrive pas retirer il arrive pas compromettre existence amendement ça qui est le secret amendement là qui bail citoyen droit pour lui gen zam li mais cependant ça il a demandé que moun qui pas supposé gen zam moun qui pas supposé gen zam pas supposé gen zam nan men yo. Alors pour qu'on est moun pas supposé gen zam gen toute une série de recherches gen toute une série de et conditions qui supposent établies avant qu'on permette que moun sa lui-même li gagne ou ben li capable gen zam ou ben li pas supposé gen zam nan men. Troisième bagay encore qui fait campé derrière il a une troisième raison hein, c'est égalité ak droit femme droit massisi droit ma divinèse ak moun ki change sexyo genye nan société a. Moi même si on libéral que mie nous c'est un féministe tout moi trouvé nan position il a risque aussi ça il a quoi que femme massisi ma divinèse ak moun ki change sexyo nan société a américaine nan tout moun sa supposé vivi yo nan jan ki fè ou plaisir sans que l'autre moun pas supposé faire discrimination sou yo parce que yo pap vivi yo jan l'autre moun a vivi yo a moi retrouvé nan position il a ria il a dévoué pour bataille pour droit tout moun sa yo nan société a respecté et doit tout le monde à travers le monde respecter. Quatrième raison qui justifie support pour Hillary Clinton, c'est un système impôt qui s'en force côté. Ranger économie hein, dans avantage tout le monde, pas seulement avantage gros potentat moun richio. Hillary Clinton croit que tout le monde supposé payer impôt à l'État. Même moun richio, moun tankou Donald Trump, moun tankou Bill Gates, moun tankou Warren Buffett, tout moun sa supposé payer impôt à l'État comme ça doit. Songez dans débat, Donald Trump, songez dans débat, ou bien changer dans débat qu'a fait dans campagne là. Songez Donald Trump refuser jusqu'à présent publier papier impoli côté que li paye taxes. Raison qui fait que li permettait papier ça dehors c'est parce que li pas payé un goud national à l'État. Et là il a Clinton campé a target monsieur dans trois débats t'ai fait yo. Quand je dis, il dit c'est parce que li intelligent qui fait li pas payer taxes. Alors ou même qui paye taxes dans pays ya. Qui ça dit de où? S'il dit lui même li pas payer taxes ça fait l'intelligent et ou même qui paye taxes ça? Ça fait mon saute. Et si vous pas payez taxes, qui j'en l'État fait, j'en l'argent pour l'investir, non, c'est de gros projets sociaux qui ont vini utile société. Il a promet pour faire moun sa yo contribuer, j'en yo supposé contribuer pour l'argent capable d'entrer dans la caisse l'État qui pour dépenser, j'en yo doulan dans un gros programme qui que l'État lui-même l'a mette kapé pour moun nan société ya nan l'idée pour améliorer condition la vie moun ki pi défavorisé yo moun pauvre nan pays ya nan même rubrique ça il a promet pour réduire quantité l'argent moun ki gen ti démêlé yo ti business yo moun ka brasser yo li promet pour li
diminuer l'argent impôt que nous avons payé à l'État dans l'idée pour que les business soient capables de plus l'argent qui était dans mes qui permet de grandir et de plus de travail. Et le plus mon a travaillé dans l'économie, plus mon a produit dans l'économie, c'est plus mon cap gagne l'argent dans poche pour dépenser dans l'économie. Comme ça, on a gagné une économie cap pidjam, une économie cap pi développer pour tout le monde cap fonctionner là-dedans. Mes amis, non idée de développement économique pour position ça il a écrit ton gagné, pas cap derrière elle. Il a écrit un programme maintenant quoi pour réparer infrastructure pays. Il a parlé de infrastructure, il a parlé de route, il a parlé de pont. Cap employer en pile monde parce que l'on répare bagage, pas bagage pas réparer tête yo. C'est monde qui répare yo. Et l'homme on a réparé, l'homme on a préparé yo, c'est travail ou ba monde. Et l'homme on a travaillé, il est comme qu'a prendre dans poche li, l'homme comme prendre dans poche, j'aime tout dire nous avant, hein? L'a dépenser plus dans l'économie, hein? L'homme l'a dépenser plus dans l'économie, ça permet l'économie lui-même de grandir. Il a permettre dans même rubrique affaire économie ça, il a permettre que tout le monde dans pays a qu'a accès à internet dans 4 années qui vient pour venir là yo, on a dit jusqu'à on a dit à partir de 2020, il a promettre que toute caille dans États-Unis, tout monde supposé gain accès à internet. Internet là comme t'ai créé un vidéo blog. Je sais pas ton voice blog, ton vidéo blog. Ça gain quelques semaines. Ça son gros bagage que lié dans génération ça dans temps ça dans 21e siècle ça que n'a vivre là. Son gros bagage internet là, on monde pas qu'à fonctionner sans lui. On monde pas qu'à vivre sans lui surtout dans pays tant qu'aux États-Unis. Alors, il a permettre lui-même à partir de 2020, tout monde net, toute caille net dans États-Unis supposé gagner accès à internet. Il a promettre pour mettre campé un système infrastructure énergétique qui prend en compte environnement. Li croit dans production yon énergie qui propre, ça veut dire clean energy qui hein? Pas plage pollution dans environnement. Environnement, ça, son gros dossier lié pour nous-mêmes, démocratie. Son gros dossier, nous-mêmes, nous croyons que, faut que nous, les humains, nous protégeons l'environnement. Parce que, en pile désastre naturel qu'a fait, c'est à cause que nous-mêmes, nous avons dégradé l'environnement. Alors, nous-mêmes, nous campons pour la protection de l'environnement. Mais, nous avons dit que Donald Trump, même quand Donald Trump dit lui-même, il a créé le global warming, non? Li même ça c'est un Chinese hoax, c'est un Chinese hoax qui comme ça dit c'est une création mensongère que les Chinois eux-mêmes ont créé, mais pas gagné aucun fondement scientifique qui pas vrai. Ça c'est parole républicain, ça c'est parole Donald Trump eux-mêmes yo quoi, mais ça veut pas qui prouver global warming is real pour nous-mêmes démocrates. Et ça fait partie un gros point dans point environnemental pour nous-mêmes les pour nous-mêmes les démocrates. C'est quelle raison qui fait que me camper derrière Hillary Clinton, c'est éducation ti moun, c'est responsabilité l'État. Il a croit que tout ti moun américain à la ronde badè doit bien débuter dans la vie pour qu'il a bien réussi dans la vie. Et pour ça fait, il a quoi que l'État doit garantir, doit que tout le monde gagne pour aller à l'école gratis, ti chéri, dans la bonne école, côté y a besoin d'un meilleur commencement dans le développement à capacité intellectuelle. Yo. Sixième raison, études universitaires gratis, ti chéri, pour tout le monde. Et faire yon bagay pour tout le monde tant kou myo qui te prête l'argent pour yon te aller à l'école, pour yon te aller faire études universitaires. Il a quoi que l'argent pas supposé yon raison qui la cause yon moun pas aller dans collège ou bien université dans pays site. Il a quoi que
tout étudiant supposé capable diplômé dans un collège ou bien dans une université publique qui dans état côté à vivre là sans que yo pa paye yon goud national pour ça. Tout collège qui là pour desservir communauté côté yo ya ça que yo rele en anglais community college yo moun supposé capable aller étudier là dans yo gratis ti chéri sans yo pa paye yon goud national. Est-ce que Donald Trump parle d'un bagage comme ça? Non. Alors ou vle pour pas supporter Hillary? Hillary promet pour lui mettre yon fonds qui évalué à près de 25 milliards de dollars qui vient supporter collège ak université ak institution sa yo ki la pour pousser héritage moun noyo ak héritage moun panyol yo. Est-ce que Donald Trump parle de bagay comme ça? Non. Et pour vle pour pas supporter Hillary? Septième raison qui fait que m'a supporté Hillary Clinton. Hillary promet yon salaire minimum kap retire moun kap travay nan pauvreté. Mais mes amis, si m'ap travay, m'pa kapab a vivre en façon, mes amis, en façon qui plus ou moins. Pour que ça me besoin de travay? Il a dit non. Salaire minimum nan, li supposé kapab retire moun nan pauvreté. Et ça fait il a Clinton promet yon salaire minimum de $15 minimum pour tout moun kap travay ici aux États-Unis. Alors, est-ce que Donald Trump parle de bagarre comme ça? Non. Et vous voulez pour pas supporter Hillary? Ah non, sérieux. Huitième raison comme justification qui fait que m'a supporter Hillary Clinton. Hillary promet pour lui venir avec loi qui permet employé qui prend vacances dans travail yo parce que yo malade ou bien pour yo capable occuper yon membre dans famille yo qui malade, Hillary promet employé sa yo ap capable toujours toucher chèque yo même quand yo pa travail. Par exemple, si vous malade ou capable prendre un leave of absence, OK, un paid leave ou ap toucher ou gon membre dans famille, par exemple maman malade ou pe papa malade ou bon gon petite qui malade, vous obligé et ça mandé ou pour prendre quelques jours off pour pa travail. Eh bien, Hillary, quoi que, ou supposé capable à toucher pour ça, pendant que vous prenez soin de ma famille, hein? Pendant que vous prenez soin de tout. Est-ce que Donald Trump parlait de bagaille comme ça? Est-ce que Donald Trump parlait de bagaille comme ça? Non. Et pour vous, pour ne pas supporter Hillary? Alors, c'est plus pour raison ça, yo, qui fait me supporter et m'a voté pour Hillary Clinton dans l'élection ça qui va venir là 8 novembre 2016. Dans une semaine. Hillary très compétent. Il a un dossier yo et il a une expérience pour lui diriger pays ça plus bien que ni Obama ni Marie Bill Clinton te capable diriger. Donald Trump lui-même lui compte tout ça, il a promet que la fini pour le faire. Il promet toutes huit bagages sont dieu là. Il promet yo. Il toutes huit bagages sont dieu là. Donald Trump lui-même, il compte yo. Il dit, il pas campé. Bon côté il a campé à ce dossier ça yo. Mes amis, en clair, faut que moi ta fou, faut me ta perdu tête moi seulement, faut me ta raï tête moi seulement. Fok m'ta rayi haïtien fraction mwen yo nan pays sit seulement pou m'ta voter pour Donald Trump. An kle ak tèt non. Il a Clinton pa parfait. Li fè an pile erreur, c'est vrai. Mais li toujours mande pardon pour tout erreur que li commet yo. Et lui promettre pour lui faire mieux prochaine fois. Ça c'est un bagage que Donald Trump pas que j'aime fait. Pas que j'aime entendre Donald Trump cap apologize. Pas que j'aime entendre Donald Trump cap présenter excuse. Cap demander pardon pour un erreur que lui t'ai fait ou bien que le fait. Ni avant campagne ni pendant campagne. Pas que j'aime entendre ça fait. Alors
qui ça cap dit que li pas vinn faire ou là c'est avec président. Parce que si on pas mande excuse pour un bagay, si on pas mande pardon pour un bagay, que ou regrette qu'on fait, pas gagne rien qui ka fait pas quoi que si ou ta vinn président ou pas répéter encore. M'a mande nous toute fraction moi yo qui ka voté. Cap tendez. Vos blague ça. Pour utiliser sens de jugement nous. Sens de discernement nous pour nous voter dans tête frette. Parce que l'élection ça a une grosse conséquence. Conséquence positive ou négative sur pays États-Unis, sur le monde entier, avec nous-mêmes citoyens américains qui vivent dans le pays. Dépendamment de gens nous voter. Alors je m'a demandé non. Ou bien m'a dit non. Que Hillary c'est le meilleur choix. En deux mouns ça Donald Trump avec lui c'est le meilleur choix. Nous t'a souhaité nous tous haïtiens fraction moi qui ka voté dans pays ici pour nous voter Hillary Clinton et nous même cap qui tande vos bloc ça qui pas ka voter et nous connaît gè un moun qui promet pour voter ou bien gè un moun qui ka voter fait moun ça attendre vos bloc ça. Encouragez moun sa pour aller voter pour Hillary Clinton. Parce que Donald Trump ta vin président président pays ça. Maman petite Marie Saint-Chou. Et ça fait grand pile moun qui me promet si Donald Trump ta vin président président pays ça y a quitté pays ya. Parce que Donald Trump lui-même s'écrase, il a vin craser pays ya. C'est une menace monsieur. Fais attention. Attention pas capon. Nous souhaitons nous tous, grand maître là, va toucher nous pour nous faire le bon choix. Bon choix, il n'y a pas Donald Trump. Bon choix, c'est Hillary Clinton. Votez pour lui, mardi 8 novembre. C'est ce parole que je vais avec nous. Kébé la balage, c'était Imane Joazil depuis New Jersey. À la prochaine. Bye bye.